英語を話せるようになりたいな、フランス語も話したいな、何カ国語も話したいなと思っている人へ、このビデオで1日の中でどうやって3つの辞典という勉強法を使った方がいいを説明したいと思います。あとはいっぱい単語を覚えるようになるため一つのコツを教えたいと思います。3つの辞典の勉強法なんですけど、まだ見てない方へこちらはリンクありますので、ぜひクリックして見てください。日本語、フランス語を話すことをご利用ください。それでは早速始めましょう。カリブ海から来たウトクラ、あいよ皆さん、ジュアンくんです。イタリア語と韓国語を勉強しました時に、こんな風に3つの辞典っていう勉強法を使いました。1ヶ月の中で1週間目は現在形と単語を勉強しました。2週間目は過去形と単語に集中しました。そして3週間目は未来形と単語を学びました。で、4週間目はそれを復習しました。詳しく説明すると、1日の中で積極的と消極的に勉強しました。積極的に朝1、2時間から真面目で勉強して、いっぱい単語を習って書いて覚えるように頑張りました。そして昼や夜の時に消極的に勉強しました。ということで、映画を見ながら音楽を聴きながら狙っている言語の環境や雰囲気を作りました。だからそういうやり方は簡単で誰でもできます。 Maintenant, comment faire pour obtenir du vocabulaire de façon efficaceUne fois de plus, il va falloir être stratégique et comprendre comment le cerveau fonctionne. En neurosciences, la relation entre les souvenirs et les émotions est clairement établie. De plus, en 2010, Sami Sauver, un doctorant en sociologie, a écrit un article qui s'intéresse entre la qualité de restitution des souvenirs en fonction qu'ils soient ou non liés à une émotion. Et dans cet article, l'auteur nous explique que la mémoire peut être décomposée en trois parties, la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Et nous, vous et moi, en tant qu'étudiants langue, on va s'intéresser à la mémoire à long terme. Dans la mémoire à long terme, la mémoire épisodique est particulièrement sensible aux émotions. C'est une mémoire qui permet de restituer son expérience personnelle ainsi que des faits conscients qui se sont produits dans le passé. Donc pour résumer,Ce mécanisme va systématiquement allier une émotion à un événement pour nous permettre de nous en rappeler. Un exemple concret, les personnes qui ont subi un quelconque traumatisme s'en rappellent comme si c'était hier. Pourquoi ? Parce que à un événement, il y a une grande dose d'émotion. Et ça, le cerveau retient pendant des années et des années. Donc maintenant, avec cette information, nous, en tant qu'étudiants en langue, on va faire quoi à votre avis ? On va utiliser ça.À notre avantage. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez apprendre un vocabulaire, vous allez faire en sorte de le lier avec une émotion. Comment faire ? Il y a deux astuces. Première astuce, par exemple, vous regardez un film et puis vous vous mettez à rigoler parce que c'est drôle. Hop là ! Vous mettez pause et ensuite vous répétez la phrase qui vous a fait rigoler. Parce qu'en rigolant, vous avez produit une émotion de plaisir, de contentement, de joie. Et en répétant la phrase en question, vous allez allier cette émotionà du vocabulaire. Et croyez-moi, cette phrase, vous ne l'oublierez plus. Deuxième astuce, plutôt que d'apprendre un mot, un vocabulaire isolé, créez des phrases pour regrouper votre vocabulaire. Et ces phrases, lorsque vous les répétez, répétez-les avec émotion. Par exemple, disons que vous apprenez le français. Vous avez appris le mot demain, manger, pain. Maintenant, vous allez créer une phrase avec ces trois mots. Demain,J'ai hâte de manger du pain. Jusque-là, très facile. Et maintenant, vous allez insuffler une émotion à cette phrase. Par exemple, demain, j'ai trop hâte de manger du pain. Simplement, en simulant la situation dans laquelle vous auriez pu dire cette phrase, eh bien, vous allez créer une émotion que vous allez lier à cette phrase. Et lorsqu'il vous faudra vous rappeler d'un des vocabulaires de cette phrase, ou encore de la phrase entière,Si vous n'y arrivez pas directement, vous pourrez tout simplement repenser à l'émotion que vous avez ressentie à ce moment-là. Par exemple, dans notre cas, une joie, un désir de manger du pain, une impatience,
une frustration peut-être. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé tellement de fois d'oublier un mot de vocabulaire, mais simplement en me rappelant de l'émotion de ce que ça m'a fait ressentir, eh bien j'arrive à récupérer ce vocabulaire et ensuite à le restituer. Pour résumer, en un mois, avec la méthode des 3 temps, vous aurez des bases solides qui vous permettront d'apprendre n'importe quelle langue. Dans votre apprentissage, vous ferez attention d'utiliser un apprentissage actif où vous écrivez, où vous réfléchissez, et un apprentissage passif où vous faites des choses que vous aimez en apprenant la langue. Et vous ferez surtout attention à connecter des émotions, des ressentis au vocabulaire que vous apprenez de façon à ne jamais l'oublier. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo totalement différente mais tout aussi intéressante. En attendant, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.